votre attention. Merci. Monsieur Andrieu, 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. En ce moment douloureux qui nous atteint à tous, je voudrais revenir sur le sujet majeur qui nous occupe dans ce moment, qui est celui lié à la transition juste. Que nous disent les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes nous disent à nous, les politiques, réinvestissez le sens du politique. Ne limitez pas le politique à la simple économie, à la simple croissance, au simple indicateur du produit intérieur brut. Ils nous disent, occupez-vous de votre fonction, celle d'organiser le vivre ensemble, celle au sein du faire société ensemble. Ils croient que c'est ça la transition juste. C'est le passage d'un modèle de développement à un autre modèle de développement pour une planète plus juste, mais pas que pour quelques-uns, une planète plus juste pour le plus grand nombre. Arrêtez d'opposer l'économique, le social, l'environnemental et prenez comme nouvelle matrice politique l'ensemble de ces éléments au regard des objectifs de développement durable qui ont été votés en 2015 au sein de l'ONU. C'est certainement ça le nouveau modèle de développement. Ça fait 40 ans, Madame la Présidente, que le modèle néolibéral se développe ici et ailleurs, partout dans le monde. Quel est le résultat? Une concentration de la richesse indécente, une paupérisation du plus grand nombre croissante, une santé humaine préoccupante, une biodiversité anéantie et un réchauffement de la planète sans précédent. Oui, il nous faut agir, mais agir urgemment et globalement dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est cela le concept de la juste transition dans le moment qui nous occupe aujourd'hui. Merci, Monsieur Kuzmiuk, pour 1 minute 30. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. La transition climatique en Europe, malheureusement, cela représente